La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Le comportement de Thomas Thévenoud, les faits qui lui sont reprochés, son attitude, sa désinvolture ont fait mal à la République, à la France et aussi à la gauche. Je vais vous dire aussi franchement ce que je pense. Je ne comprends pas aujourd'hui, même si aucun d'entre nous n'a de pouvoir sur lui, je ne comprends pas qu'en responsabilité et qu'en conscience, il reste aujourd'hui membre de cette Assemblée nationale. S'il en appelle, comme il le dit, aux citoyens de sa circonscription, alors il a une occasion de le faire. Je veux dire aussi quelque chose de très clair ici devant vous, puisque dans une semaine, il y aura un vote de confiance, même si encore une fois, aucun d'entre nous n'a le pouvoir de l'empêcher de venir et de voter, sinon par la persuasion, je considérerais que son vote, s'il est positif, ne peut pas être comptabilisé dans le vote de confiance que je demanderai.